Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue, citoyens du monde. Vous êtes sur la Dan Broadcasting System, l'émission Le Monde ce jour. Jacob Zuma a commencé son calvaire judiciaire. L'ex-président sud-africain était à la barre ce jour, accusé dans un contrat de vente d'armes. Au Brésil, Lula da Silva, lui, il est en route pour la prison. La décision de la Cour suprême du Brésil est sans appel et désormais, la candidature de l'ex-président aussi brésilien pour la prochaine élection présidentielle du pays est désormais sans objet. Au Cameroun, les prisons, elles s'emplissent, elles ne désemplissent pas. Nous sommes dans l'antre de l'opération Épervier et son histoire aujourd'hui, c'est acte 4. Qu'est-ce que cette opération apporte aux Camerounais? Qu'est-ce que la prédation et les détournements ont eu pour conséquence sur le peuple camerounais? Voilà autant de questions qu'on peut se poser. Et lorsqu'on se les pose, nous sommes dans une tribune républicaine et citoyenne. Ici, pas d'attaque d'hommes, pas d'invective, pas de règlement de compte. C'est vrai, Jean-Gilbert Bahonla, président du parti des Républicains, bonsoir et bienvenue. Vous parlez souvent de tribunal des pairs médiatiques. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je crois que vous n'allez pas vous attaquer à des personnes. Oui, mais si vous trouvez que c'est des attaques aux personnes, je suis documenté. Et puis, bonsoir. Pourquoi bonsoir? Non, c'est un peu ça. Comment vous allez? Je vais bien. Je vais très bien. Vous n'êtes pas inquiété? De quoi? Ah bon, de tout ce que vous dites. Hein. Non, tout au contraire, je suis très à l'aise. Et je voulais... Je me suis le fait que l'état du Cameroun est un état de droit. Même quand les gens estiment que ce n'est pas un état de droit, c'est un état de droit. Je ne suis pas inquiété. Alors rapidement sur la place du monde. Commençons par l'Afrique du Sud. Jacob Zuma, la justice est sur ses trousses. Une lecture? Bon, c'est tout homme politique en réalité peut avoir à une certaine période de quelques adversités et certaines personnes qui pensent régler par exemple des comptes, on peut penser à un certain nombre de choses, mais la réalité c'est que il y a un contrat usuel confidentiel. Quand vous êtes chef d'État, il y a un contrat usuel public et naturellement on fonctionne avec un partenariat important, politique, dont le cas de Jacob Zuma ne devrait pas vous effrayer. Parce que ceux qui veulent aujourd'hui que Jacob Zuma aille en prison, dans notre pays, ici, font dans les paradis fiscaux, à travers certaines institutions de communication. Et nous savons les qui y sont. À ceux qui veulent que Jacob Zuma aille. Je donne sûrement l'éligibilité dans notre pays. Et ils ont des antennes de leur société ici qui font dans les paradis fiscaux. La preuve en est que, au sorti de là, je peux même vous rassurer que, simplement que, il y a une société locale qui distribue, je voulais dire, la pépite d'or, les unités, que je peux appeler comme telle, qui a eu maille à partie, qui a eu un procès avec cette société. Et la société est une entité qui fait dans la haute mafia. Vous êtes là sur la trajectoire de Cyril. Vous terminez? C'est oui. Votre ami? L'actuel président sud-africain? Non, je voulais simplement lui rappeler que ce qui arrive à l'autre peut arriver à celui qui est là. Et la jeunesse est une autre chose, les réalités en sont autre chose, parce que c'est de la gesticulation autour de Jacob Zuma. Et qui se rappelle là qu'il est sorti de l'écurie politique de Jacob Zuma. Je pourrais lui dire à la place, c'est un petit frère en âge, je respecte son état d'être chef d'État, il faut qu'il fasse un peu très attention, parce que le monde est difficile. Mais est-ce que c'est lui qui conduit? Jacob Zuma avait déjà trop de démêlés jusqu'à sa résidence, vous vous souvenez, pendant qu'il était en fonction. C'est pour cela que je dis, il faudra que certaines personnes sachent que des intérêts politiques, l'adversité doit être, mais il faut tenir compte des en dessous. Parce que si je le dis, c'est parce que je sais que c'est un jeune qui est un homme d'affaires assez pétillant et qu'il sache que s'il pousse Jacob Zuma
Jacob Zuma a été toujours dans le quadri politique. Donc nous estimons que les inconvénients des humeurs de rue ne vont pas l'emporter sur ce qu'on appelle les pointillés politiques. Et c'est pour ça que j'ai dit que qui se rappelle là, qu'il a une antenne même ici au Cameroun, qui fait dans les paradis fiscaux, et il s'est représenté par quelqu'un qui est à l'aune de sa politique. Ça veut dire que tu es en train de faire une petite retraite politique. Merci. Au Brésil, votre beau-frère, c'est sans appel. La route, en fait, la trajectoire actuelle, c'est la prison. Je ne pense pas. C'est décidé quand même. Il est déjà à l'intérieur. La Cour suprême a rejeté son appel et le 30 avril prochain, il doit entrer en prison. Bon, j'attends le 30. Vous attendez le 30 ? Mm-hmm. Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre appel possible. Vous n'avez jamais vu des mandats qui n'ont jamais été exécutés ? Ah, vous pensez que cette affaire-là, au Brésil, avec cette dernière décision de la Cour suprême, ce sera bloqué? Non. Si vous estimez que le droit est applicable... Je pose les questions. Si vous estimez, puisque vous êtes dans la logique du droit, n'est-ce pas? Nous attendons le 30. Au 30, je vous poserai la question. Vous comprenez? Si la Cour suprême a posé, a rejeté. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a une fin de non-recevoir. Et si ce n'est pas une déchéance assez grave pour Lula da Silva? Non, je ne pense pas. Lula a un problème de démêler avec la mafia et certaines personnes qui font dans les efficiences de la drogue. Et c'est tout à fait normal aujourd'hui qu'ils puissent payer tout le monde. Mais au prix de quoi? C'est ça le problème. Parce que le prix, c'est quoi? Le prix à payer là-dedans, c'est que quand vous avez une décision de justice et que vous voulez l'exécuter, la personne, l'endroit, l'objectif à atteindre, il faut respecter les trois points. Le monde est organisé. Et la loi, c'est les hommes qui la créent. Et pour la mettre en application, c'est toujours les hommes. Donc tout ce que vous voyez dans les sphères politiques, tout le monde estimait que en ce moment Sarkozy pouvait être en prison. Mais il est quand même sous contrôle judiciaire. Avec tout ce qu'il a fait. Vous estimez que c'est très petit? Bon, on trouvera à temps opportun. Nous allons nous asseoir dans la chambre des pairs pour savoir comment est-ce que Lula devra rester aussi en résidence judiciaire. Parce qu'il mérite quand même ce respect. Merci. Alors, on rentre au Cameroun de plein pied. 2006, on est en train de remonter l'histoire. C'est la date du lancement de l'opération Épervier, l'année des premières arrestations. Mm-hmm. Nous sommes en 2018. Les récentes arrestations sont là. Et à la dernière émission, on se posait la question de savoir pourquoi les détournements, la prédation continuent. Qu'est-ce que cela coûte à l'État et quelles sont les conséquences pour les populations? Est-ce que déjà cette opération a eu les résultats probants? En réalité, le problème du Cameroun, c'est l'illustration parfaite de la fiction. Et l'État est géré légèrement, ou bien avec beaucoup de légèreté, selon les bonnes convenances des groupuscules. L'État du Cameroun est le seul pays au monde où on parle des intouchables. Je vous ai dit tout à l'heure quelque chose, il y a des décisions qui sont inapplicables. Mais il y a une infectiosité aujourd'hui qui s'est installée dans ce qu'on appelle la classe des honorables. Voilà ce que je voulais dire. Et cette classe prédatrice est partie de la précarité. Elle s'est installée dans les institutions étatiques, dans le social. Et a installé son lit dans le triangle national. Quand on dit qu'il y a un détournement, il faut voir d'où ça part,
quels sont les éléments incitatifs, quelle est la chaîne, jusqu'à ce qu'on puisse établir la responsabilité de ceux qui ont la charge de gérer les institutions étatiques. Si vous entrez dans cette logique, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup d'intermédiation. Et le vrai problème ici aujourd'hui, c'est que le régime de Biya a été bousculé par une prédation de précarité. Ça veut dire que les gens ont accepté une classe de personnes qui n'avaient pas la raison d'être dans certains milieux. Parce que c'est ça, il faut faire le casting. Ça a été un mauvais casting. Les gens ont accepté le casting, voilà. Qui fait le casting? Qui a fait le casting? Le casting a été préférentiel par les faux CV, les curriculum vitae qu'on a transmis, que ce soit pour les nominations, que ce soit pour l'honorabilité, que ce soit pour la représentation des chambres, que j'appelle les chambres politiques telles la chambre de députation sénatoriale. 4 sur 5 CV sont truffés de faux. Et les gens acceptent ça. Vous comprenez? Il est important de savoir aujourd'hui que ceux qui sont aux affaires publiques aujourd'hui au Cameroun mangent dans les écumes de la prédation de la précarité. Je vous donne un exemple. Allez-y. L'exemple est simple. Est-ce que vous savez que pour qu'un ministre détourne, il faut un système, il faut que le comptable, il faut que son directeur des affaires financières, il faut ça, mais surtout, le moins incitatif vient de l'opérateur économique, par exemple. Et vous allez trouver que plusieurs... Vous êtes en train de dire que tout part des opérateurs économiques. Oui. Parce que plusieurs paliers, beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce que quand on dit, le ministre a détourné 60 milliards, quand on suit à la chaîne, la justice oublie et c'est une grande faute. Qu'est-ce qui a incité? On regarde les facturations, mais on interpelle, ou très peu, les opérateurs économiques. Quand vous appelez par exemple la société Net Oil Petroleum, vous engagez une fausse facture au ministère par exemple des Finances pour un règlement. Mais vous devez être interpellé pour répondre. Vous engagez une fausse facture. Voilà. Est-ce que vous avez une prestation? Voilà. Est-ce que vous avez les prestations fictives viennent de ce que il y a des fausses. Donc je vous l'ai dit, il y a le faux qui est installé au départ. Et au départ, c'est quoi? C'est qu'on homologue le faux. Ces sociétés sont des prête-noms. L'exemple que je vais vous donner, vous avez une société qui s'appelle. Je vous dis, qui est englobé par exemple dans une histoire de manipulation, de grosse magouille. Vous avez par exemple une société qui s'appelle Zenith. Zenith est une société. À l'intérieur de Zenith, il y a des gens, des éléments qui peuvent à tout moment manipuler le cahier de charge de la fonctionnalité de cette société et qui peuvent mettre en mal la société elle-même. Or, le promoteur, le conseil d'administration, la direction générale n'en savent rien. Ça peut être entre le directeur général d'une agence et le service, par exemple, de courtage, parce que simplement il y a des fausses factures qui ont été délivrées ou bien les fausses attestations. Et dès lors que ce mécanisme est installé, pourquoi on n'interpelle pas celui qui a émis la fausse facture? On estime que non, c'est celui qui a ordonné. Les premières arrestations qu'il y a eu. Vous voulez nous dire que, restons dans les prisons camerounaises, ouais. Vous voulez nous dire que tous les ministres, les administrateurs, les fonctionnaires qui sont en tôle aujourd'hui, il y a des opérateurs économiques qui ont contribué à cela? Ou qui ont été sur cette... Mais c'est de ça qu'il s'agit. Je vous donne le cas du fameux Supo. Oui. Ça a été une bonne prestation judiciaire. On a interpellé un certain nombre des opérateurs économiques et on a ficelé le dossier. Chacun
à bénéficier de sa peine. Ceux qui devaient reverser ce qu'on appelle les centimes additionnels dans les caisses de l'État, le trésor public l'ont fait. Mais regardez ce qui suit maintenant. Quand on interpelle un ministre, on oublie que Allah Alice, qui est la femme d'Atanakuna, est fournisseur. On oublie que Mbengo, Bernadette Mbengo, fait dans les prestations de services. Vous comprenez? Et du coup, vous perdez le nord de l'enquête. Parce que pendant que vous cherchez la complicité à l'extérieur, la complicité c'est dans la maison. C'est pour ça qu'on parle des délits d'initiés, des prête-noms. Je vous donne un exemple simple. Oui, lors, pendant un événement où le chef de l'État devait être impliqué directement, il y a une autolocation qui appartient à M. Mbengo, qui est gérée par Bernadette Mbengo, qui, pendant que Mbengo est directeur du cabinet civil, il fait louer les véhicules au cabinet civil en passant par comment on appelle ça, disons que son institution de location de véhicules. Mais c'est une société. Est-ce que la société n'est pas régulièrement constituée? Vous ne pouvez pas. Comment ça? Vous ne pouvez pas, je vous dis, vous ne pouvez pas. Parce que vous ne pouvez pas, vous ne devez pas. Vous ne devez pas. Parce que vous ne pouvez pas être au même moment le bénéficiaire du marché, vous êtes l'ordinateur du marché, et vous-même vous faites payer. C'est pas normal. Les lois, c'est interdit. C'est pas normal. Vous comprenez? Et ça fait que beaucoup de personnes se sont retrouvées dans ce tremplin. Alors, vous continuez, je vous relance tout simplement. Ouais. Comment vous expliquez que des réalités de gestion de cette manière s'installent au cœur même, si on peut dire, du Saint des Saints? Qui vous appelle le Saint des Saints? Vous avez parlé du cabinet civil de la présidente de la République. Vous pensez que il y a, je vous donne même des cas même qui sont similaires. Les gars vous font entrer des effets létal. Ils vous font entrer un certain disons que vous font entrer une certaine quantité de marchandises. Ils vous font des faux bons de commande. On vous allez laisser ça au garage automobile, par exemple, à l'entrée par la présidence, au sein de la présidence, mais dans le voisinage. On vous dit que non, on va faire entrer cela parce que non, ce garage va bénéficier des tôles, ce garage va bénéficier du frigo parce que, et on en a besoin, alors que ce matériel va ressortir. Parce qu'il y a un escroc qui est derrière ça. C'est ça qui a posé un problème sérieux. Je vous donne un. Il y a un directeur de protocole, M. Isama. Vous savez ce qui se passait avant qu'il ne soit en Italie? Il fait construire toute une maison avec le concours de la présidence. Il ne paye pas l'entrepreneur, il ne paye pas ceux qui fournissent le matériel usiel, le ciment et tout, parce que c'est le directeur du protocole. Et quand on lui a porté plainte au tribunal... On lui a porté plainte. Vous savez ce qu'on a dit là-bas? Ah non, vous savez, c'est quand même le directeur du protocole. Et très vite... Quand il a senti qu'il était pris dans les poignets, par les poignets, qu'est-ce qu'il a fait? Le scandale est arrivé dans les oreilles du chef de l'État. On lui a dit, va arranger tes problèmes. Comment se fait-il? Qui lui a dit, va arranger tes problèmes? Le chef de l'État. Ah, le chef de l'État lui a dit, vous pensez que vous ne parlez pas? Je pose juste la question. Allez arranger vos problèmes. Les petites amitiés entre ce qui est le secrétaire général et le ministère des Relations extérieures, il s'est retrouvé ambassadeur en Italie. Vous comprenez? Et les problèmes n'ont pas été arrangés. Mais puisqu'il a fait, monsieur, lui, l'ambassadeur, il bénéficie déjà de l'immunité. Je ne vois pas pourquoi est-ce que vous allez poursuivre un ambassadeur par devant la justice. Vous perdez vos droits, ou bien instantanément la procédure s'arrête, jusqu'à ce qu'un jour, on ne sait jamais, vous puissiez venir à des mains, que ça devienne à des meilleurs sentiments, s'il est destitué ou bien s'il n'est plus. Encore que il est dans la diplomatie, indéfiniment. Vous comprenez? Donc, c'est autant de choses. Vous faites un tour dans cette même diplomatie. Vous allez retrouver des personnes qui posent des actes à travers des entités bancaires. Des entités, par exemple, comme le FODEC. FODEC, c'est une
entité qui fait dans, je vous le dis, dans les opérations bancaires, mais qui est une coopérative, qui n'a pas un statut. Mais l'argent est sorti par le FODEC en termes de blanchiment. On a installé le FODEC pendant qu'on était en train de faire les grands travaux de Kibi. Moutazé a rapproché FODEC. Vous comprenez? Monefond est entré dans le jeu. Vous comprenez? Et du coup, on se retrouve avec FODEC qui est devenu un paradis fiscal. De façon qu'en un trimestre, le FODEC a sorti plus de 10 milliards. Et maintenant, ils sont tombés sous le régime de non-respect du statut bancaire. Parce qu'ils ne pouvaient pas sortir de l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé MoneyGram pour sortir cet argent. Ça veut dire qu'ils créent un truc. Comme MoneyGram est une histoire comme d'autres trucs comme Express Union, on vient loger de l'argent à l'intérieur et l'argent s'en va. Quelques journalistes sont au parfum, parmi lesquels Aman Mala. Très vite, ils sont pris dans les taux de la mangeoire. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est pour les mécanismes sont tels que, quand on les met, les gens ont toujours l'impression que c'est le ministre seul. C'est le directeur, ce n'est pas ça qui s'agit. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Et je suis parfois très déçu de savoir que on donne des informations. Les gens choisissent. Qu'est-ce qu'on doit traiter? Qu'est-ce qu'on ne doit pas traiter? Vous comprenez? Vous ne pouvez pas avoir un comptable chantier naval qui disparaît avec les fonds à l'époque et il se retrouve que le même a des attaches avec FODEC. Je peux parler de si un certain CPO ou quelque chose comme ça. Là c'est une affaire avec Fondida. Bon, vous comprenez? Et le pauvre lui paye, il est en prison pour rien. D'accord? Celui qui a détourné l'argent au Canada, sa petite soeur est mariée au promoteur de la banque. Non, je vous l'ai dit, de la fédération. Des spolieurs dans le courant bancaire. Parce que FODEC, en réalité, c'est un petit paradis fiscal. Et ce que je dis, pourquoi est-ce que les inspecteurs de banque ne disent pas que monsieur Mahon a dit quelque chose, allons vérifier. Ils ne vont jamais. Parce que c'est la petite camaraderie, ça se gère entre deux champagnes, même comme c'est du champagne pas bien distillé, vous comprenez? Et ces amitiés coule tellement que vous vous retrouvez avec des doublures. Vous comprenez? Et ça fait que vous ne savez pas à quel sein vous vouez. Vous faites bien de le dire, parce qu'on est au cœur de cette histoire qui pratiquement est comme un labyrinthe. Alors, est-ce que vous voulez dire que les charges, par exemple, incriminées aux gens comme Urban Langenawana, quand ces charges-là, les sommes évoquées au tribunal chutent, parfois de moitié, est-ce que c'est toujours les dossiers ont été mal montés, mal ficelés? Non, vous savez pourquoi ça chute? C'est fait expressément. J'ai cité juste un nom. Les rapprochements des chiffres, par exemple, dans une expertise, dans une enquête, entre l'inspection générale de l'État et le tribunal, par exemple, spécial, ces rapprochements sont automatiquement confidentiels quand c'est une enquête. Le juge d'instruction ou bien les juges est tenu de veiller au grain que ça respecte l'autorité de la loi, mais ne peut pas s'empêcher de recevoir les nouveaux éléments. Mais on bâcle parfois les procès, on bâcle les enquêtes, pardon, parce qu'il y a des intérêts derrière. Ah, vous comprenez? Du coup, le chancelier qui est en haut, lui, se pose des questions, alors que c'est une chaîne de personnes, et ça devient au plus offrant. L'épervier a pris le coup pourquoi? Ah, l'épervier a pris le coup, vous revenez. L'épervier prend le coup pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine complicité qui est entamée. On interpelle quelqu'un, on lui dit, monsieur, vous êtes inculpé pour 30 millions de francs de détourné. Le même magistrat lui donne des conseils. Que non, dis ça, ne dis pas ça. Il y a des gens qui ont été punis.
à la chancellerie, puni dans la magistrature du jeu. Je vous prends vous-même à témoin. Vous comprenez à peu près? D'autres, même un autre, même à la gendarmerie, épinglé, avait choisi aller dans le cercueil. Vous comprenez? On ne peut pas. Vous avez... Mais il a choisi parce qu'il a estimé peut-être en cette période qu'il ne pouvait plus se défendre. Vous, vous comprenez? Avez un style de langage. Est-ce qu'on peut choisir la mort? Oui, mais il a choisi parce que c'était un choix. Il n'avait plus une autre route. Oui. Hein? Donc, c'est un peu ça. Dès lors qu'il y a la légèreté au niveau des traitements des dossiers, il y a un problème. Je vous donne un exemple très simple. Allez-y. J'habite dans votre maison. Un agent immobilier m'a donné cette maison. Je passe un contrat avec monsieur X. Monsieur X me dit, ok, c'est ma maison. Pourquoi ne demande jamais le titre de propriété? Mais devant le tribunal, on n'est pas à vous dire, monsieur, c'est sa maison, vous devez partir de cette maison. Or, il n'a jamais demandé qu'il était propriétaire. C'est comme ça que les gens se sont enrichis à travers le patrimoine public. Pourquoi? Parce qu'on protège. Et derrière ça, il y a des intérêts. Pourquoi est-ce qu'un monsieur comme Dipanamouel peut se retrouver avec des terrains dans les domaines privés de l'État? Ça veut dire que il y a des complicités en amont jusqu'au niveau de l'obtention du titre de propriété. Peut-il être propriétaire, hein, dans un domaine public sans qu'il y ait ce qu'on appelle un contrat? Non. Une vente? Non. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut vendre là une propriété? Je peux même aller loin. Oui. Mouquet est en train d'acheter en ce moment, ou bien un des Mouquetés. Je voulais informer le chef de l'État, sûrement, qui regarde cette émission, qu'il sache que ça continue toujours. Mouquet va acheter une maison dans un domaine public. Il dit que il a eu un gré à gré. À l'intérieur de cela, il y a une société qu'on appelle Alliance, je ne sais pas quoi, si ça fait dans les assurances, je ne sais pas quoi. On s'en rend compte que Mouquetté joue de son statut pour que son fils, qui dit avoir eu un investisseur, venu investir à l'endroit. Pourquoi? Parce que simplement c'est de la manipulation. Le gré à gré. Qui autorise le gré à gré au Cameroun? Vous répondez. Je ne dois pas répondre, tout le monde doit le savoir. Est-ce que c'est pas la ministre, hein? C'est le chef de l'État. Mais vous voyez des terrains ici. Est-ce que vous avez vérifié si le chef de l'État n'a pas donné son accord? Ce n'est pas donné. Parce que la procédure, c'est quoi? Tant que vous n'avez pas de titre de propriété, tant que vous n'avez pas un contrat qui vous lie, vous ne pouvez pas dire que vous êtes propriétaire. Vous investissez sur quelle banque? Quelle est la banque qui va courir le risque? Une banque sérieuse qui va dire, vous lui apportez un papier d'intention. Parce que vous pouvez faire une demande de gré à gré. Ce n'est pas parce que vous avez eu le gré à gré. Obtenu ça. Comprenez? On vous dit non. Il y a un investisseur qui vient investir. Une banque se loge à l'intérieur. La banque court le risque. Aujourd'hui, il y a un problème. Depuis que nous avons lancé, j'ai lancé la campagne numérique, bien sûr, avec le ministère des Affaires foncières. La faillite s'est installée. Les gens qui ont pris le patrimoine public en otage et qui l'ont spolié ne peuvent plus continuer à postuler, avoir, par exemple, je voulais dire, des avenants, ou bien je voulais dire, avoir des crédits auprès de ces banques. Parce que leurs titres ne sont pas des titres qui respectent la structuration réel. Je voudrais qu'on reste dans la trame de l'histoire parce que ça fait peur. Vous venez de dire que il y a une complexité et une complicité en même temps dans la gestion judiciaire qui fait que on est obligé à arriver à des... Mais les gens ont été punis pour ça. Moi, je prends en témoin le ministre Laurent Esso, ministre d'État. Il était à l'époque secrétaire général. Les gens ont été punis. On a vu les gens, quand on est allé défendre tous les au conseil de la magistrature, on les défend parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle du chaos dans les dossiers. Et c'est pas les seuls. Vous comprenez? Et c'est des réalités. Il faut battre cela en brèche. Il y a deux choses par définition. La première, le gouvernement du renouveau trouve les moyens pour pousser
l'expertise judiciaire dans un professionnalisme réel. C'est-à-dire, il ne faut pas que le magistrat manque la machine. Il ne faut pas qu'il manque du papier. Il ne faut pas qu'il a acheté avec son argent le bic. Qu'il travaille dans une décence. C'est ça, de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas attendre des émoluments éternellement. Les émoluments arrivaient par exemple à la Cour suprême, à l'époque de Dibandal. Les émoluments, c'est quoi? C'est hormis votre salaire, parce que vous avez des salaires, vous avez des heures de travail assez. Bon, ça c'est prévu dans les textes. Mais M. Dipanda s'asseyait dessus. Il s'asseyait dessus. C'est la même chose qui s'est passée à la DGRE avec Obelabout. Pendant une sortie officielle du chef de l'État, les gars ont dit, on ne descend pas sur le terrain. Tout ça aussi qu'il a simulé, mon fils avait venu trouver l'argent sur le lit et il a pris l'argent. Il est parti avec. Vous touchez les émoluments, mettez à la disposition d'un questeur financier et qu'on paye les gens. Vous comprenez? C'est ça. Aujourd'hui, la souveraineté de l'État n'est plus effective. Pourquoi? Il y a des détournements en amont. Donc, vous ne pouvez pas. L'une des conséquences, voilà. Les conséquences graves de l'histoire de cette opération. De ce pervier. La sûreté de l'État. La sûreté de l'État est aujourd'hui mise en exergue. Pourquoi? Parce que les gars, ils estiment que quand il a l'information, ce rapport peut intéresser celui qui est mis en cause en place. Bon, est-ce que mes amis, ses amitiés ne peuvent pas? Vous voyez? Bon, il faut qu'il gagne quelque chose. Il faut qu'il gagne un peu. On a vu des choses où les gens prenaient des rapports confidentiels à l'inspection générale de l'État sous l'ère de Nguamessia pour aller vendre aux opposés. L'actuel directeur général de la CNPS, qui est un peu, je le trouve un peu petit malin, à l'époque il travaillait avec un inspecteur général, Tonnier, je crois que celui-là aussi est allé en retraite. Il était avec un autre là, je me rappelais. Pourquoi est-ce que Mme Nguamessia décide qu'on les mette sur mandat de dépôt? Parce qu'elle constate qu'il y a le faux. Mais il est directeur général aujourd'hui. Il est passé par où? Vous répondez, il est passé parce qu'il y a un faux rapport qui a été dressé au chef de l'État. Ça a été manipulé. On dépose quelqu'un avec des scellés. J'ai vu scellés, j'avais les doubles de dossiers. Il a été déposé. Mais parce que. Le dossier dans lequel, où les dossiers, ils ont travaillé, bon, ça a mis quand même certaines personnes en liberté. L'argent circule, ça fait les dessous de table. On prend, on met en bas, et puis voilà, le gars a deux dehors. On parle même plutôt de la promotion, on fait un rapport pompeux quand ça arrive dans une institution scientifique de l'enseignement. Bon, ok, très bon, très bon. On ajoute même les diplômes. Nous avons vu des gens occuper des affaires aujourd'hui avec une bonne diplomite à l'étau qui n'est que fabriquée ici en bas de Nguakele à Yaoundé. Parfois fabriquée n'importe où. Ils sont là, ils sont aux affaires. Et quand vous voulez parler, on vous dit non. Vous savez, c'est le chef de l'État qui sait seul comment ces choses s'en vont. La nomination est discrétionnaire. Je suis surpris que le même chef d'État, je dénonce les gens, il met en application la loi. C'est là où je me pose des questions. Attends, de quel chef d'État parle-t-on? Celui qui est là ou bien un autre? Mais vous venez de prendre un cas où le rapport est passé pour quelqu'un qui était sous mandat de dépôt. Il se retrouve directeur général. Mais et je vous rappelle que Mme Nguamessia est magistrat. Ça veut dire qu'elle ne peut pas déposer un inspecteur. Hein? Qui a, c'est-à-dire, un statut requis comme ça légèrement. Et on l'a foutu à la porte. Et parce qu'on a dit, bon, elle a osé quoi? Alors, de vous à moi, vous êtes devant l'écran. Cette réécriture, nous sommes à l'acte 4. Il y a donc une question qui se pose. Vous pensez que ce système-là peut changer? C'est le système qui est déjà même battu en brèche. Comment ça? Le vrai problème, c'est qu'il faut déménager les dernières cargaisons. Vous savez pourquoi? Vous nous dites. Le chef de l'État a pris le taureau par les cornes. Pas comme je fais un emprunt pour dire.
Vous voyez, aujourd'hui, ces gens écument des prisons. L'information qui était venue quand on interpellait à l'époque Eduatutus, vous savez ce qu'on avait dit, rendu comme rapport, on a mis les conséquences même de la diatribe même ethnique. Non, ça peut déclencher une parricide intestine entre les familles, l'autre est devant Meka, l'autre, comme son père évoque Tchungimbala, mais vraiment, il faut tenir compte de ça. Mais attends, le chef d'État a frappé la main sur la table, a dit, monsieur, ou la loi, on sait rien, ou nous sommes là pour nettoyer et avancer. Vous comprenez? Ça créait même de l'audace à un moment. Les gens ont commencé à croire qu'on gérait la République comme si c'était une partition d'une chefferie. Bon, ne mettez pas tel en prison parce qu'il est le descendant de tel. C'est ça qui s'est passé. Mais ça ne se poursuit pas. Non, ça ne se poursuit pas. Je vous dis pourquoi. Chaque fois que le chef de l'État a des preuves réunies, vous savez pourquoi je brandis les preuves à la télévision? Pourquoi? Pour embêter le réseau. Parce qu'ils ont un petit réseau qui dit souvent, le chef d'État n'est même pas sûr de ce qu'il dit là. Vous allez venir effacer ça à DBS aussi. Pendant que je parle, il y a des éléments réunis autour. Il y a ceux qui font l'expertise. Il y a les services spéciaux qui écoutent. Vous comprenez? Et qui étudient l'opportunité. Vous savez pourquoi est-ce que d'autres gens ne font pas comme moi? Parce qu'ils sont intéressés. Ils se disent, ils veulent de l'argent. Il y a des gens qui viennent dans une télévision. Bon, Zénith, il ne met pas insurance. Il dit, bon, je peux parler, mais c'est pas grave. C'est du chantage. C'est du chantage. On n'utilise pas un instrument de communication pour venir dire aux gens, je peux parler, mais l'autre jour, je vous ai promis que je vais apporter des dossiers ici dans l'histoire de la roublardise de Vision 4. Je les ai ici. Parce que vous m'avez fait des fausses promesses. Il ne faut pas venir dire à la télé, oui, avec une pétroleum, ils ont fait ceci, ils sont en train de construire la base de déstabilisation en RCA qui va venir chasser Paul Biya aux affaires. Laissez-moi parler. J'ai des documents. Que disent vos documents? De Netwall, pétroleum. Voilà. Si vous me posez la question, je vous dis. Voilà. Voilà comment ça s'organise l'escroquerie dans notre pays. Il y a une société italienne appelée Société italienne de bâtiments et travaux divers SARL qui est installée à Douala. Netwall, dans la prospection de cette société, Netwall est dans le cours de l'escroquerie. Pourquoi? Je parle de Netwall. Et c'est un Bachirou. Se retrouve dans une complexité, il devient le commercial. Voilà la lettre. Vous allez voir toujours la publicité passée. Netwall Petroleum SA, ça passe toujours dans Vision 4. Les documents, mais qu'est-ce que vous avez... Laissez-moi parler. Voilà les faux bons, voilà ce qu'ils ont fabriqué. Vous êtes toujours en train de déranger. Voilà les faux bons. Les faux bons adressés à qui? Comment? Vous êtes toujours en train de dire des choses. Vous pensez que vous laissez? Je ne peux pas laisser. Exécution du marché. Après quelques échanges, le 24 octobre 2017, numéro référence 1117-EMML-10-17, Netwall Petroleum à l'attention du PDG, ça veut dire que de la société. Je veux pas me tromper. Bah, ok. C'est le DG de la société italienne qui écrit en rappel de la promesse du marché. Exécution du marché numéro 006-S-Netwall-PDG-DAF-DEX-2016. Monsieur le Président Directeur Général, en date du 22 novembre, notre groupement a conclu avec... Je vais vous donner, vous allez toucher ça avec la main. En date du 22 novembre 2016... Vous prenez beaucoup de temps, hein? Non, vous ne pouvez pas me couper. Ouais. Vous ne pouvez pas. J'ai promis les pièces et je les donne.
Notre groupement a conclu avec la société Network Petroleum un contrat relatif au marché rappelé en marge, passé après consultation restreinte. Numéro 006-0AONR-CPM-Network-2016 pour la construction d'une station service à Monatélé. Le dit contrat d'un montant de 478 545 349 était convenu pour une durée de 4 mois. Il revenait au maître d'ouvrage que vous êtes, conformément à l'article 17 du contrat, d'émettre un ordre de service de démarrer de travaux suivi d'une avance de démarrage à raison de 160 518 356. À cette fin, et sur votre demande, une caution d'avance de démarrage avait été émise par la société Zénith Assurance S.A. en couverture de l'avance que vous mettriez à notre disposition. À ce jour, soit presque un an, nous n'avons reçu ni ordre de démarrer, ni l'avance de démarrage pour exécuter les travaux, objet du contrat qui nous lie, toute chose qui, vous ne pouvez l'ignorer, nous cause un préjudice sérieux au regard du déploiement mis en œuvre par notre groupement pour l'exécution du contrat. Vous êtes à la fin? Je suis dit à la fin. Ça vous gêne? Rapidement. Je sais que vous êtes gêné. Je ne fais pas de fausses promesses. Et allons-y, parce que là, on veut savoir le message. Compte tenu des impératifs qui sont les nôtres, nous vous convions par la présente à mettre l'ordre de service de démarrer, à mettre à notre disposition l'avance de démarrage suivie pour mettre à notre groupement de réaliser l'objet du contrat relatif au marché numéro 006-AONR-CPM-Network 2016. Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Président Directeur Général, l'expression de nos sentiments. C'est signé par le groupement CIP TD Soutram, donc pour le compte de la société des bâtiments des travaux qui a été spoliée. Or, voilà la fausse lettre. Laissez-moi parler. Oui, allez-y. Voilà la fausse lettre de commande. Qu'est-ce qu'un Roubine a fait dehors? Mais où sont vos caméramans là? Sont toujours en train de disparaître quand vous montez les bonnes choses. Bande de renégats. Voilà la fausse lettre de commande. Je ne vais même pas faire dans la... Voilà. Monsieur Network, c'est qui? C'est Amourou Bélinga. Voilà à quoi vous servent vos télévisions. Vous imaginez une société spoliée. Et comme si ça ne suffisait pas. Quelle est la société qui est spoliée? La société étrangère? Je vous dis que la société qui est spoliée, c'est clair. Voilà, je ne parle pas derrière. Société italienne de bâtiments et de travaux divers. Ok. Vous comprenez? Comme si c'est là. Et comme si ça ne suffisait pas. Voilà la preuve que la caution a été reversée par l'intermédiaire de l'assurance. Ah, l'intermédiaire a assuré son rôle. Très bien. Sur la demande de qui? Sur la demande des conditionnalités imposées par Network, qui n'est autre que une société fictive. Une société fictive. Fictive pour spolier les gens. Quand je me rappelle que Mbalabé Sala, quand il officiait au ministère des Postes, à l'époque, Dieudonné Angoula avait eu maille à partir avec la justice dans l'histoire de Mouchipou. Nous avons commis les articles et ça a poussé que l'État puisse poursuivre, qu'on interpelle les gens. On arrive au Mouchipou Guette. Je me suis rendu compte qu'il y avait un faux décret qui se baladait, où Mbalabé Sala a été nommé comme arrêtez votre souffle, directeur d'une importante société. Si non, je voulais direction. Si vous perdez DOU. La petite. DOU. DOU.
comprenez? Ça veut dire que c'est lui qui devait remplacer, parce que le feu Wami est mort, c'est Angoula à peu près qui vient le remplacer, et après ça, il faut nommer quelqu'un, et c'était à l'époque de Tutsi Sejoua. Le faux décret s'est baladé et qui l'avait fait signer? On sait qu'il avait fait un groupe Linga, qu'il avait fait signer. J'ai ces factures de l'EVA à Kribi, la fabrication des fausses factures. C'est ça votre télévision? On parle de l'histoire. Bon, opération épervier. Bon, vous voyez, c'est ça aussi. Vous ne faites pas une fixation. Non, laissez-moi parler. Au risque d'un acharnement. Non, monsieur, ce n'est pas l'acharnement. Je parle. J'ai promis les éléments. Les gens m'attendaient avec ça, hein. Laisse-moi monter les éléments pour qu'on ne dise pas que j'en ai pas. Je ne veux pas monter tout aujourd'hui pour que ça ne puisse pas mettre les gens très mal. Le dernier élément ? Vous ne pouvez pas m'interdire que c'est le dernier élément. J'ai dit, je ne monte pas tout. Alors, quand vous avez regardé, il a dit, je crois qu'il y a tous ces éléments, c'est dans ce dossier. Donc, c'est-à-dire, je ne comprends pas dans quel pays nous sommes. Voilà encore d'autres fausses lettres de commande. Est-ce que le caméraman est là? Voilà. Il faut bien monter. Voilà le travail de la jeunesse. Nous sommes les grands. Je dois donner 3 milliards dans le pays. J'ai 10 milliards. J'ai appelé à Bangui pour me rassurer du faux qu'ils sont en train d'organiser. Ils ont dit qu'ils ont gagné un marché 5 étoiles pour l'hôtel de l'armée centrafricain, la MINUSCA. Moi, je connais bien Bangui. La MINUSCA est une entité de les Nations Unies. Ils ne peuvent pas faire aujourd'hui des travaux pour 400 milliards. Monsieur Toudera, qui est un petit frère qui a fréquenté ici à Douala, que je connais personnellement et qui m'est très proche, je voulais vous le dire aujourd'hui. Vous comprenez? Je suis déçu que des jeunes s'amusent avec la République du Cameroun et qu'il y ait des gens comme Beninga et Boutou derrière ça. Parce qu'il y a d'autres Beninga ou Jean-Pierre. D'où viennent-ils aujourd'hui? C'est vous qui le dites, hein? D'où viennent-ils aujourd'hui? Vous avez appelé, bah, vous êtes assuré. L'État du Cameroun, qui est la porte d'entrée de la richesse paramaritime de la Centrafrique et des autres pays respectables, qu'on s'en rende compte que une lettre de créance ne peut pas être déposée au ministère ou transmise. Transmis au ministère des Relations Extérieures, on donne à tierce. Et vous avez cette confirmation? J'ai cette confirmation parce que M. Beninga et Boutou a failli se faire rosser par un homme en tenue dont j'ai le témoignage. Quand je dis des choses, je sais ce que je dis. Vous comprenez? L'argent a circulé. J'ai dit l'autre jour, c'est un jeune petit frère, il est chef de l'État, je respecte ça. Tu veux rencontrer ton père Paul Biya, tu lui envoies la lettre. Papa, je veux te voir. Donc la lettre de créance qui doit aller dans le chrono officiel a suivi. Se retrouver dans des histoires compliquées. Mais c'est quoi cette histoire? Petit frère, je suis l'ami de Demafout. Mais là, il faut que je monte une estrade pour vous dire que je connais bien votre bangui là. J'ai eu la grande charge avec Alex Balou de gérer la communication présidentielle de Patassé. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça fait mal. Mais c'est quoi cette histoire? Parce qu'il y a quelques roublards. Ah, derrière ça, il y a Baïla qui est, qui est le beau frère de Sadi. Vous avez les éléments vrais, mais attendez. Mais est-ce que vous regrettez le fait que vous avez géré et qu'aujourd'hui... Non, je suis mécontent parce que je ne comprends pas. Je connais Bangui, la belle. Je ne connais pas Bangui. Vous êtes mécontent de quoi qu'il soit... On ne peut pas vendre mal la peau du Cameroun. S'il y a un problème aujourd'hui... Ah, votre problème, c'est comprenez ça. Comprenez? Oui.
Il faut respecter le Cameroun. Le Cameroun n'appartient pas à M. Biya, à nous tous. Maintenant, il est une entité constitutionnelle. C'est lui l'exécutif. En quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens perdent le Nord? Ça a lien avec l'historicité de l'opération Épervier, c'est toujours dans ça. Je vous donne. Quelqu'un dit, on écrit dans un journal, le président guinéen a donné 10 milliards à Moubinga. Où est quand? Vous avez un problème avec lui? Non. Vous savez, je parle difficilement, hein. Je parle à témoin les gens. Les gens vont souvent s'asseoir dans leur coquille de tomates là. Bon là-bas, que va quoi, bon là. Il faut que. Je vous dis alors pourquoi maintenant alors ils ont peur. J'ai le ventre plein. Je commence déjà à sortir les billes. C'est de ça qu'il s'agit. Si un président donne 10 milliards à quelqu'un, vous. Mais c'est des conneries, ça ne peut même pas exister. Tu as porté ça où, dans la valise? On te donne à quel titre? Tu es une entité politique, tu es un pays, tu es qui? Tu as travaillé, tu as fait les travaux et tu as construit la ville neuve. Le président équato-guinéen a contesté. Vous contestez pourquoi? Mais il appelle ça les trucs des fous. Il appelle? Il dit ça des trucs des fous. C'est des malades. Vous pensez que le président guinéen peut prendre l'initiative de donner à un Camerounais 10 milliards sans que le chef de l'État camerounais le soit au courant? Alors, on va. Et les gens s'asseyent et commencent à dire oui, mais vous voyez, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. C'est comme ça, c'est des gens qui n'ont pas une posture familiale et ils ne se respectent pas. Et ceci, c'est parce que les gens écument un certain nombre de choses. Est-ce que vous savez qu'on sort les gens ici au Cameroun qui sont condamnés ici avec les fausses décisions de justice? On les sort, mais c'est pour ça que je vous interroge sur le système. Vous dites qu'il va mieux. Bon. Alors qu'il y a tout ce qui. C'est vous qui m'avez poussé pour que j'aille puiser l'eau au fond du puits. Parce que tout le temps, Paul Biya, Baola, Paul Biya, c'est comment? Voilà les détails. Mais attendez. Est-ce que vous pouvez savoir que. Il y a une escroquerie peut être organisée dans une entité médiatique. Vous, si je ne sortais pas ça. Ça, c'est des éléments que vous avez, mais voilà, j'attends que vous assumez et que. Vous attendez la contradiction. Oui. Ah bon? En quelle année? Naturellement. En quelle année? C'est pas une lettre d'évangile quand même. Non, c'est en quelle année? Quelle que soit l'année, c'est pas. Vous attendez jusqu'en 2035. Ah bon? Dans la trajectoire de l'émergence. Vous asseyez dessus. Personne ne peut tousser parce que je connais pire. Ça, je vous dis, je connais pire. Et j'ai mon client Bokam, Jean-Baptiste, que je réclame depuis. Parce que quand je le vois, il végète dans la rue. Je dis, mais ce monsieur, c'est mon client. Voilà. La petite musique est la là. La petite musique, c'est sûr que. L'autre élément que je me dois de vous dire, comme je me dois de vous dire, et en vous regardant en face, c'est qu'en réalité, c'est les personnalités de l'État, c'est les institutions, il n'y a pas d'acharnement possible. Vous avez des éléments qui peuvent être contrariés. Ah bon? En quelle année? Chaque jour, ils ont le droit. Je vous mets en défi. Depuis que je demande les gens, tous les jours, on les interpelle. Tu as vu quelqu'un parler? C'est compris. Vous allez me voir. C'est compris. Voilà. Mais je reste dans l'historicité de l'opération Épervier pour dire que vous avez dit quelque chose de très important. Mauvais casting. Ça veut dire que quelque part, la responsabilité est collective dans le pays. Oui, je vous dis pourquoi, parce qu'il faut que collective, responsabilité collective. On est vers la fin. Responsabilité collective. C'est pas le dénouement que je veux faire. Je dis qu'elle est collective parce qu'elle part du bas en haut. Du en haut jusqu'en bas. Alors, ça commence par la petite enquête qui est dans une chefferie et ça arrive par le haut. Dès lors que c'est faussé en bas,
ça veut dire que le haut reçoit les mauvaises informations. Et comment le haut devrait quand même taper à un moment donné pour enrayer tout cela. En tout cas, nous sommes à, nous c'est étions que, là. Ce que j'aime sur vous, c'est que vous avez beaucoup de courage malgré les documents. Non, j'interroge. Mon rôle, c'est d'interroger et de mettre même vos documents en doute parce que ça ne doit pas être une aide évangile. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les résultats sont là. Oui. Je n'ai pas besoin. Depuis des années, je le fais. Le jour où je trouverai un contestataire en France, on viendra ici dans cette télé pour parler. Mais pour le moment, je bénéficie de la crédibilité mondiale. Oui, ça veut dire quand je dis quelque chose, c'est vérifié. Et je n'en veux à personne. Je voulais simplement dire que le pasteur quitte la rame de l'escroquerie. Oui. Et je voulais dire à Sadi René, si vous voulez. Vous aimez toujours citer les noms. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je suis en train de vous dire qu'éthiquement, je l'aime beaucoup. Ontologiquement, qu'il donne le conseil à son beau-frère. Vous pouvez mettre vos documents. Non, vous ne pouvez pas. Vous les mettre en doute. Je suis désolé. Jusqu'à ce qu'il y ait un contradicteur. Je suis désolé. Ah bon? En 2035 peut-être. Dans la trame de l'émergence. Merci d'être venu. C'est moi qui dis merci. J'espère que je n'ai pas été très diffus. Je vous ai promis des documents, je vous ai servi et je continue à le faire. Je reste l'humble serviteur du peuple camerounais. C'est tout ce que je peux dire. Merci une fois de plus d'être venu. J'admire votre courage. Vous devez vous rassurer. Vous avez dit que quelqu'un me devait une facture dernièrement. C'est vrai d'ailleurs. Nous servons la République. Nous sommes dans la construction positive d'une nation exemplaire. Voilà, monsieur. Vous comprenez qu'après les gestes, j'ai eu raison. Merci d'être venu. Merci, c'est moi qui dis merci. Vous aimez citer le nom de cette personne. Non, je connais. Elle connaît très bien qu'elle avait pris mes livres. Elle n'a jamais payé. Là, c'est la vérité. Merci d'être venu. Voilà, monsieur, c'est terminé pour aujourd'hui. Le monde, ce jour, c'était avec convivialité la trame de la construction d'une république de vérité, une république positive, une république exemplaire. À 19h, le journal en vous fout. À 19h15, le journal en pidgin. À 20h, le journal en anglais. À 21h en français. Chères mesdames et messieurs, citoyens du monde, bonsoir.